Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter sur la map classique sans level une à deux fois par jour, tous les jours, pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map et vous proposer de meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 niveaux par glitch. Donc n'hésitez pas à nous soutenir et à nous aider à débloquer l'XP. Alors le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch de cette vidéo, c'est le 5, 3, 7, 5, 4, 0, 0. 3, 1, 7, 7, 0. Donc voilà, vous entrez ce code, vous validez, ensuite vous lancez la partie en privé. Et pendant que la partie se lance, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent. C'est pas obligatoire, mais si vous le faites, ça soutient à fond la chaîne. Donc merci énormément. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur option, paramètres, menu et lancer le jeu. Alors quand vous allez arriver dans la map, moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de faire les glitches que je vais vous présenter. Donc avant d'actionner tous les boutons secrets, parce que sinon vous allez gagner moins d'XP. Donc soit vous le faites directement et vous regardez si vous gagnez des XP suffisamment, ou soit vous attendez 10 minutes. Donc en haut à gauche, il est marqué playing, play 60 minutes. Donc soit vous attendez 10 minutes, quand vous êtes à 10 sur 60, bah là vous faites les glitches, ou soit vous le faites directement. Moi je vais attendre 10 minutes pour vous montrer le potentiel du glitch. Ok, donc voilà, là je suis à 11 minutes de jeu. Là je vais vous présenter les boutons, enfin les glitches. D'abord je vais vous présenter 3 glitches AFK qui vont vous rapporter des XP sans rien faire. Donc regardez, vous vous rendez derrière les rampes, en face des sky color. Et là, vous avez une image. Donc derrière cette image, vous allez construire 5 rampes. Donc 1, 2, 3. Ensuite, 3 sols. 1, 2, 3. Ensuite, 3 sols sur la droite. 1, 2, 3. Et là, vous avez 2 boutons. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est le bouton de droite qui va me rapporter des XP en AFK. Voilà, je l'actionne. Et là, je vais gagner des XP en AFK sans rien faire. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, je vais vous présenter 2 autres glitches en AFK. Donc vous venez ici derrière. Voilà, vous construisez 4-5 sols. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et là, vous avez 2 boutons d'XP AFK. Donc vous les actionnez tous les deux. Comme ça, vous allez gagner encore plus d'XP en AFK. Plus vite. Donc voilà, vous voyez bien que ça monte assez vite. Alors maintenant, je vais retourner sur la plateforme que j'ai créée derrière l'image. Regardez, là, je gagne quoi? Je gagne du 50 par 50. Voire même 100. Je gagne du 75 à 100 par seconde. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va aller... Attendez. Ouais, je gagne du 50, parfois du 70, parfois du 100. Donc voilà, ça monte plutôt vite. Alors maintenant, on va retourner là où j'avais créé la rampe derrière l'image. Et là, il y a un bouton juste sur la gauche, juste ici. Celui-là va vous rapporter beaucoup d'XP. Hop, regardez, je suis à 12 000 XP. Okay, donc j'étais à 12 000 XP, j'ai gagné donc 12 000, j'ai gagné 62 000 XP, rien qu'avec ce bouton, truc de fou. Donc alors ensuite, je vais vous montrer 2 autres glitches, donc c'est sur, enfin un autre glitch, c'est sur la rampe du milieu encore, vers les sky color, vous allez construire 3 rampes, 1, 2, 3, ensuite vous créez 3 sols sur la gauche, 1, 2, 3, 3 sols sur la droite, 1, 2, 3, et 3 sols sur la gauche. 1, 2, 3. Là, vous avez 2 boutons. Donc, il y en a un qui ne fonctionne pas. C'est celui-là. Celui de gauche ne fonctionne pas. On va l'essayer juste après. Mais on va faire celui de droite. Donc, hop, regardez, je suis avec 38 000 XP.
Là, je suis déjà à 8000 XP de gagné. 9000, 10000, 11000, 7000. Oui, 11000, qu'est-ce que je dis, 12000, enfin, oh là là. En fait, il est super long à donner les XP, mais il est super rentable. Là, j'ai déjà gagné 20000 XP, donc ça continue à monter, donc tant mieux. Hein. Donc là, je vais vous montrer l'autre bouton qui ne fonctionne pas. On va quand même l'essayer, mais je pense qu'il fonctionne pas du tout. Hop. Ouais, je pense qu'il fonctionne pas. Mais voilà, faites-le quand même s'il ne fonctionne pas, pour être sûr. Alors, là, j'ai encore d'autres glitches à vous présenter. Juste que je les retrouve. Ah oui, voilà. Quand vous êtes sur la rampe ici, toujours du côté Sky Color, vous allez construire 10 rampes. Donc, on va détruire celle-ci. Et on va construire 10 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, vous construisez un plat. Là, votre personnage va allumer en bleu. Vous faites une petite danse et vous allez gagner des XP. Attendez. Ah ouais? Ça ne me téléporte pas? Ok, je crois que ça va me téléporter, mais ça ne me téléporte pas. Ouais, non, ça téléporte pas. Je croyais que ça téléportait, mais ça téléporte pas. Donc de là, quand vous avez fait la danse ici, vous allez tout simplement continuer à construire jusqu'au nuage. Donc attendez, là on le voit pas. On va tirer dans Clear. Ça marche pas. Ah voilà, ça marche. Parfait. Voilà, on a tiré dans Clear. Et là, normalement, il y a un nuage tout au-dessus. Donc parfait. On monte jusqu'au nuage. Et là aussi, ça va vous rapporter des XP. Donc là, j'ai déjà gagné plus de 1 niveau avec tous les glitches que je vous ai présentés. J'avais commencé niveau 20, la fin de mon niveau 20. Et là, je suis déjà niveau 22. Je crois que j'étais niveau 20 et il me restait 13-14 000 XP. Bon, peut-être 15 000. On a déjà gagné 2 niveaux super rapidement. Donc là, on monte jusqu'au nuage. Voilà. Hop. Ici, vous avez un bouton Earn XP. Vous interagissez avec. Et normalement, ça va vous donner des XP. Donc j'étais à 79 000. Et là, ça m'a donné 9 000 XP. Alors ensuite, on va aller... On va aller sur la cabine téléphonique, juste ici. Vous sautez quand vous êtes sur la cabine téléphonique, ensuite ça vous emmène dans une maison. Ici vous avez, non c'est de l'autre côté, vous avez une pièce avec une chambre. Vous allez au fond à la droite de la chambre, vous avez un bouton Earn XP, vous interagissez avec et là aussi ça va vous donner des XP. Donc le problème c'est que là ça vous re-téléporte pas, donc vous êtes obligé de faire réapparaître. Donc là regardez, j'ai déjà gagné, il m'a rapporté plus de 10 000 XP. Donc là, on fait réapparaître pour revenir dans la map. Ensuite, il y a un autre glitch d'XP sur la montagne là-bas. Donc soit vous construisez ou soit vous utilisez votre grappin parce qu'il y a une technique comme ça. Hop. Ah, j'ai pas réussi. Donc soit vous construisez ou soit vous utilisez votre grappin, mais c'est un peu compliqué. Enfin, faut connaître le truc, quoi. Voilà, parfait. En fait, il faut que votre grappin s'accroche au sol avant que vous fassiez téléporter pour vous renvoyer 10 fois plus loin, quoi. Mais bon, si vous n'y arrivez pas, vous construisez jusque là, ce sera plus simple. Donc là, hop, vous montez jusque la montagne. Et là, vous aurez un bonhomme qui va vous donner des XP. Donc je vous montre à peu près où je suis. Je suis à côté gauche de la maison. Vous interagissez avec ce bonhomme. Et là, pareil, ça va vous donner des XP. À 69 000, ça m'a déjà donné 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Voilà, ça m'a donné 6 000 XP. Et je pense qu'il m'en reste un petit à vous proposer. Je vais quand même essayer un truc. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
crois. Ah ouais, non, il n'y en a plus. Je pensais qu'il y avait un glitch ici, mais non, il n'y en a plus. Mais il en reste un qui est tout là-bas, près de la faille. Donc il y a un petit bonhomme là-bas, une petite chose comme ça, chose bizarre, qui peut vous rapporter aussi des XP. Donc je vais vous le présenter. Donc vous construisez jusque là-bas, donc c'est derrière le mode spectateur. Et vous allez voir qu'il y a un petit truc qui va apparaître. Regardez, voilà, le petit truc bleu. Vous allez pouvoir interagir avec et gagner des XP. Donc là, c'est ce que je vais faire, j'interagis avec. Et j'étais à 53 000. Ok, celui-là m'a donné 21 000 XP. Donc au final, j'ai gagné plus ou moins deux niveaux dans ce glitch. Donc soit ce que vous faites quand vous avez terminé tous les glitches, soit vous arrêtez le jeu et vous relancez la partie, vous recommencez le glitch en illimité, soit vous restez dans la map et ça va vous donner des XP en AFK sans rien faire. Donc regardez, je gagne encore des XP sans rien faire, je gagne 20, 30, 40. Ou soit vous utilisez ma technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé, qui va vous permettre de gagner 5 fois plus d'XP avec cette map en mode créatif. Donc ça veut dire que là j'ai gagné 2 niveaux. Donc si vous utilisez ma technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé, vous allez en gagner 10 directement, c'est un truc de fou. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous ai tout dit dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bro.